Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Berbiguier. Moi c'est Brice et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents modèles d'occasion disponibles sur notre parc aujourd'hui. Un Peugeot 5008 diesel avec le moteur 1.6 litre Blue HDI 120 chevaux, une finition style avec la nouvelle boîte automatique EAT6. C'est un véhicule 7 places et il a environ 24 000 km. Ce 5008 est équipé donc de la nouvelle face avant, la calandre chromée. Il y a également les anti-brouillards avec un entourage chromé et les feux diurnes, les feux de jour. Les jambes sont en aluminium. Vous voyez les vitres qui sont surteintées avec l'entourage de vitres chromées. Les barres de toit et il y a également le toit panoramique. À l'arrière, on retrouve des radars de recul. Ensuite, au niveau du coffre, donc le 5008 est un véhicule 7 places ici, avec dessous donc les deux fauteuils. Il vous suffit de sortir directement en tirant. Donc voilà la configuration 7 places. Et pour les rentrer, la tirette rouge. Et pareil donc pour le deuxième. À l'arrêt, on retrouve des petits stores pour occulter les vitres. Et vous avez ici également une prise 12 volts qui va vous permettre de brancher dans le coffre, par exemple, une glacière. Au niveau du deuxième rang, pareil, donc le gros point positif, c'est ces trois vraies places, hein, trois fauteuils indépendants. Vous avez ici, hop, l'accès au troisième rang. Votre fauteuil, vous pouvez également le faire avancer, reculer. Et le dernier point, vous avez la possibilité d'une mise à plat totale de votre deuxième rang, ce qui vous permet d'optimiser au maximum votre coffre. Et ça marche pour les trois fauteuils. Ensuite, au deuxième rang, on retrouve des tablettes, siège conducteur et passager. Et au milieu, vous avez encore une prise 12 volts qui vous permet de brancher par exemple un lecteur DVD avec des écrans. Et vous avez une trappe aux pieds. Store également sur les vitres et les vitres arrière, elles sont électriques. Au niveau des places avant, donc là on va retrouver nos deux fauteuils. Donc là je vais pas parler mais de la matière, on est sur du tissu et vous avez les accoudoirs à gauche et à droite. Dans la porte conducteur, on retrouve les vitres électriques arrière, avant, verrouillage des vitres arrière, réglage des rétroviseurs électriques et la possibilité de rabattre les rétroviseurs électriquement. L'allumage des feux est automatique, l'allumage des essuie-glaces également. On retrouve ici le régulateur limiteur de vitesse, désactivation des radars de recul, désactivation de l'ESP et désactivation du start and stop. Hop, allez, on démarre la voiture. Donc le véhicule dispose de la climatisation automatique Bizone avec une température pour le conducteur, une température pour le passager. On a ensuite notre écran ici qui vous permet de gérer la radio. On a également la navigation nav et le dernier point, on a également le téléphone Bluetooth qui vous permet de recevoir et d'émettre des appels directement dans le véhicule sans avoir besoin de prendre votre téléphone. C'est un lecteur CD également. Mais vous avez une connectique USB aussi ici dans la console centrale USB et connectique jack. Les commandes du poste, elles se trouvent ici derrière le volant à droite. Donc vous voyez, avec le petit onglet téléphone qui vous permet de décrocher, raccrocher un appel. On retrouve le verrouillage centralisé du véhicule, automatique en roulant à partir de 10 km/h. Les warnings ici. Et donc là, votre écran, vous pouvez le rentrer également manuellement si vous le souhaitez et régler son inclinaison en fonction de votre position de conduite. Le dernier point, la boîte automatique, donc la nouvelle boîte EAT6, parking, recul, neutre, drive et enfin un mode manuel.
trois points forts de ce véhicule. Tout d'abord, ses équipements, le GPS, téléphone Bluetooth, et il y a surtout la boîte automatique, appréciable pour le confort de conduite. Le deuxième point, c'est un véhicule première main qui arrive directement de chez Peugeot France. Et enfin, le dernier point, c'est un véhicule qui est toujours sous garantie constructeur jusqu'en décembre 2017. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les différentes vidéos sur notre page YouTube pour connaître les autres véhicules du parc. À bientôt, merci.